Aujourd'hui, environ 1 200 femmes meurent par an et environ 3 000 sont touchées par le cancer du col de l'utérus en France. Ça peut être toi, ta mère, un membre de ta famille, une amie. Ça commence par des saignements anormaux, des pertes malodorantes, des douleurs pendant les rapports, des difficultés à uriner, puis perte de l'appétit, perte de poids, essoufflement, douleurs thoraciques ou au thorax. Et évidemment, on se pense invincible, mais comme tous les cancers, il arrive souvent sans frapper, à n'importe quel âge. Et on est souvent diagnostiqué trop tard alors qu'on pourrait réellement l'éviter. Le souci, c'est qu'on entend souvent parler du HPV, donc du papillomavirus, sans vraiment prendre conscience de la gravité de cette IST. On en entend parler notamment les filles à l'adolescence avec la question du vaccin. Puis ensuite, on se met dans un coin de la tête et puis on oublie. Le HPV, c'est quoi? Est-ce que c'est vrai qu'on peut l'attraper en faisant une fellation? Et pourquoi peu de personnes parlent de ce virus? Personnellement, j'ai eu le courage aujourd'hui de vous parler de mon histoire parce que j'ai eu le HPV et je pense que cette vidéo pourra en aider plus d'une, ou plus d'un, par la même occasion. Et je suis très contente parce que cette vidéo est en collaboration avec Roche Diagnostic France. C'est qui? C'est quoi? C'est le leader français du diagnostic in vitro. La filiale du groupe français Roche est un pionnier en matière de santé en France et ce groupe est engagé dans l'innovation afin d'améliorer la qualité de vie et la santé des patients. Je n'ai rien à vous vendre, cependant ils m'ont contacté parce qu'aujourd'hui il y a plein de nouvelles choses à savoir sur le diagnostic du HPV. Du coup, à travers mon histoire, je vais répondre à toutes vos interrogations sur cette maladie et je vais vous donner plein de conseils et soyez très attentifs parce qu'à la fin de la vidéo, il y aura un petit quiz pour voir si vous avez bien tout suivi. Et on pose le téléphone, là je te vois. Me voilà, Léa, 14 ans, se faisant vacciner pour ce fameux cancer du col de l'utérus. Je n'ai pas encore de vie sexuelle et je ne sais absolument pas ce que c'est le HPV. Mais mon docteur me l'a conseillé, ma mère aussi, donc allons-y. HPV, ça veut dire Human Papilloma Virus. Il existe environ 150 génotypes, dont 14 qui sont responsables du cancer. Le vaccin que j'ai fait à mon époque protège de l'infection contre les deux HPV, c'est-à-dire le HPV 16 et le HPV 18. Ainsi, contre les deux HPV responsables de 90% des verrues génitales. Donc, il faut vraiment savoir que le vaccin ne protège pas de tous les génotypes. Les papillomavirus sont tout petits mais sont responsables de nombreux maux dont les condylomes, donc les verrues génitales, les papillomes, tumeurs bénignes de la peau, voire les cancers pour les muqueuses. Ce sont des virus extrêmement résistants dans le milieu extérieur, ce qui influence leur mode de contamination. Les muqueuses concernées par Monsieur HPV sont donc le vagin, la vulve, les grandes lèvres, exo et endocol de l'utérus, le pénis, l'anus ou la zone anale et des voies aérodigestives supérieures, principalement l'oropharynx. Ah oui, non, ça rigole pas, hein. Sur Instagram, je vous ai demandé les questions que vous avez sur le HPV en règle générale et les questions qui sont le plus revenues, c'est les questions sur le vaccin en fonction de l'âge, du rapport, de quand, de comment, etc. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram. Voilà. Le mieux est de se faire vacciner entre 11 et 14 ans avant les premiers rapports. Surtout qu'avant l'âge de 15 ans, on fait seulement 2 injections et à partir de 15 ans, on en a 3. Il ne faut jamais avoir eu de rapport de préférence car il faut éviter d'avoir déjà été en contact avec le virus. Et le vaccin est recommandé pour toutes les jeunes filles mais aussi tous les garçons à compter du 1er janvier 2021. Plus tu te fais vacciner jeune, meilleure sera l'immunité. Le vaccin est remboursé jusqu'à 19 ans et jusqu'à 26 ans pour les HSH, c'est-à-dire les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. La vaccination contre les papillomavirus humains, donc contre les HPV, permet de prévenir les infections par les papillomavirus les plus fréquents, responsables chez les femmes de 70 à 90% des cancers du col de l'utérus. On retourne un petit peu à mon histoire. Je vis ma vie tranquillement. Après ce vaccin, je continue ma vie sexuelle, enfin je commence ma vie sexuelle. Je me protège, je change de partenaire, je me fais dépister, je me reprotège, bref, j'ai une vie sexuelle active et aucune IST ou grossesse indésirable. Donc, j'essaye de faire des choses bien parce que de toute façon, je suis une très grosse angoissée de ça et depuis petite, je suis hyper carrée. À 25 ans, je décide donc de faire ce fameux frottis puisque 25 ans, c'est l'âge du premier frottis. Alors le FCU, donc le frottis cervico-utérin, est un examen gynécologique permettant le dépistage précoce du cancer du col de l'utérus. Il sert à détecter des anomalies du col de l'utérus grâce au prélèvement de cellules sur la surface. Et là, vous allez tous dire, mais oui, mais Léa, pourquoi le frottis, on le fait pas avant 25 ans? Eh bien, parce que ça ne sert pas
à grand chose, puisqu'en toute sincérité, il y a de très grandes chances que vous soyez positive au HPV. Car on voit, dans les premières années de vie sexuelle, environ 80% des femmes sont infectées par le virus. Et si vous êtes positif, il y a plein de rendez-vous qui se mettent en place, donc plein de stress pour pas grand chose. Car dans 90% des cas, le virus sera éliminé spontanément entre 12 et 18 mois. Et en fait, ça fait perdre du temps à tout le monde, au labo, à vous, etc., etc. Et le frottis n'est pas remboursé en plus de ça avant 25 ans. Sauf évidemment cas très rares. Bref, je fais mon petit frottis, tout va bien, je continue ma vie et à un moment le téléphone sonne et là j'ai ma sage-femme au téléphone. Donc elle m'annonce dans le plus grand des calmes que j'ai bien un HPV et qu'il faut regarder si j'ai pas des lésions cancéreuses. Donc moi je suis comme ça, je raccroche, je dis rien, je bouge pas et là je me mets à pleurer à chaudes larmes. Enfin je veux dire, j'ai 25 ans, tu m'annonces qu'il faut regarder s'il y a pas des lésions précancéreuses. Bon, je me calme, je rappelle ma sage-femme et là je commence à lui poser 1000 questions et donc elle me rassure. Mais je vous avoue que c'est une énorme source de stress. Entre temps, j'apprends qu'en plus de ça, que même quand vous avez des rapports protégés, vous pouvez attraper le HPV. Parce que ça se transmet par contact, notamment dans les rapports sexuels, que ça soit anal, vaginal, pendant les préliminaires et oral. Il y a plein de maladies qui se chopent par les fellations, mais c'est pas le débat. Mais il y en a plein. Ce n'est donc ni une maladie héréditaire, ni une maladie liée à un défaut d'hygiène. Et je vous le dis haut et fort, ça concerne les hommes et les femmes et les hommes et les hommes, concerne tous les êtres humains. Vous n'avez évidemment pas forcément de symptômes. Bref, ensuite, suite à ce coup de téléphone, j'ai un rendez-vous à l'hôpital pour une colposcopie. Une gynécologue adorable m'explique tout, elle me dit que je suis jeune, que je suis vaccinée et que je n'ai pas les plus graves génotypes et qu'il y a très peu de chances que je le garde. Évidemment, comme j'ai été vaccinée à 14 ans, je n'ai pas attrapé ces génotypes-là. Petit point colposcopie. En fait, en gros, pendant la colposcopie, elle applique deux solutions colorantes. Donc elle met en premier de l'acide acétique, c'est pour voir s'il y a des lésions au niveau des muqueuses. C'est pas pour voir s'il y a des verrues, mais plus des lésions précancéreuses. Puis après elle met une solution dite Lugol qui permet de visualiser les limites de ces zones. Ces deux produits ne sont absolument pas douloureux, ne sont pas allergisants, mais des fois on peut ressentir un petit picotement. Moi personnellement ça s'est juste très bien passé. Au final elle m'a dit que tout allait bien, que je n'avais rien de grave. Et c'est très important de faire le frottis parce que ça permet d'être pris en charge très rapidement si vous avez des lésions précancéreuses. Beaucoup de femmes s'en rendent compte quand il est déjà trop tard. Donc, je le répète, le frottis à partir de 25 ans est super important. Et après, 6 mois plus tard, j'ai refait un frottis et donc le HPV avait totalement disparu. Donc, je fais partie des 90% des femmes qui l'ont éliminé naturellement. Pour le reste des femmes, soit environ 10% de la population, l'infection par HPV deviendra chronique et environ 4% de ces femmes développeront un cancer invasif du col de l'utérus après une durée moyenne de 20-25 ans. En général, au moins plus de 10 ans. Alors évidemment, comme d'habitude, j'ai fait ma curieuse et je me suis demandé comment ils faisaient pour avoir des réponses aussi rapidement et surtout pourquoi les recommandations avaient changé. Donc, de 25 à 30 ans, le frottis est envoyé dans un laboratoire pour une cytologie. La cytologie, en gros, c'est l'étude des cellules isolées et ce sont des humains qui regardent avec leurs petits yeux. Donc évidemment, cette méthode est moins précise. Et c'est pas très grave parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, HPV met énormément de temps à se transformer en cancer. Jusqu'à 10 ans. Le but évidemment étant d'être pris en charge assez tôt, mais pas trop tôt parce que sinon on ne le verra pas. Si jamais le frottis revient donc à normal, on l'envoie pour un test HPV qui est fiable à 99%. La dame vous appelle et vous dit allô madame, vous avez le HPV quoi, comme ce que j'ai vécu. Et à partir de 30 ans, c'est pareil. Tu retournes faire ton frottis et tu le fais une fois tous les 5 ans. Et c'est la méthode d'analyse du frottis qui change. Là je sais qu'il y en a plein, vous dites bon j'ai pas encore 30 ans, etc. etc. Mais ça arrive vite. Ah, il me témoigne. Bon, à partir de 30 ans, on vous fait le même frottis, mais ce coup-ci, on l'envoie directement pour le test HPV. C'est le virus qu'on regarde directement. En gros, l'avantage, c'est que par exemple, si t'as 30 ans, que tu fais ton frottis et qu'il revient négatif, ben en gros, t'es tranquille environ pendant les 5 prochaines années. Et si c'est positif, et ben t'es prise en charge directement. Donc une méthode plus sûre et surtout beaucoup moins anxiogène. Donc voilà, en gros, je vous ai partagé mon histoire. Évidemment, si vous avez 25 ans, je vous invite fortement à prendre rendez-vous avec votre sage-femme, votre gynécologue ou autre pour faire votre premier HPV. Parce qu'il ne faut surtout pas le prendre à la légère. Si vous faites ça,
C'est très bien. C'est comme ça qu'on évitera d'être pris trop tard. Parce que l'être humain n'est pas invincible face au cancer. Moi, j'ai pas besoin de vous l'apprendre, ça. Surtout que c'est rapide et remboursé par la sécurité sociale, donc vous n'avez plus d'excuses. Oui, je sais, c'est pas cool de faire un frottis, mais ça peut vous sauver la life. Pensez-y. Je vais vous faire un petit rappel, grosso modo, bilan de tout ce que je viens de raconter pour être sûr que vous n'ayez rien oublié. Donc, les HPV sont à l'origine de 5 à 10% de la totalité des cancers dans le monde. 14,1 millions de nouveaux cas détectés en 2014 dans le monde. Juste représentez-vous ce truc. Hommes et femmes sont concernés par cette infection. Et évidemment, les cancers qui sont potentiellement liés. Les préservatifs n'entraînent qu'une protection partielle pour cette IST. On continue quand même de se protéger pour les autres IST, hein, parce que le HPV se pose sur la peau qui est non couverte par le préservatif. Autre petite info, seulement les femmes peuvent savoir si elles ont ou non. Donc, une personne avec un pénis peut avoir le HPV sans le savoir, à part s'il a des condylomes. Mais là, ça veut dire que le HPV s'est déclaré. Et si un garçon vous dit non, mais moi j'ai pas de maladie, j'ai fait les tests, etc., ben non, c'est pas vrai parce que le HPV on peut pas savoir, donc il se tait, il met un préservatif et on se protège. Voilà. Pour terminer cette vidéo dans la bonne humeur, parce que c'est pas super joyeux comme sujet, j'ai décidé de mettre en place un petit jeu. Donc, ça va être un mini quiz où vous pouvez prendre un papier, votre téléphone ou autre et noter les réponses à chaque question et me dire combien vous avez en commentaire parce que ça m'intéresse de voir si vous avez été ultra attentif. Non, mais parce que en fait, le but surtout de me dire que quand je fais des vidéos, elles vous sont utiles. Je vous donne évidemment les résultats à la fin. On ne peut pas avoir de cancer du col de l'utérus si on utilise un préservatif. Vrai ou faux? Si je suis vaccinée, je n'ai pas besoin de me faire dépister. Vrai ou faux? Mais logiquement, vous êtes incollable. Ce virus concerne que les jeunes de moins de 30 ans. Vrai ou faux? Seules les femmes sont concernées par le papillomavirus humain. Vrai ou faux? C'est une IST qui touche peu de femmes. Vrai ou faux? Si le test du HPV revient positif, ça veut dire que je suis atteinte du cancer du col de l'utérus. Vrai ou faux? Ah, celle-là, à tout moment, t'étais sur ton téléphone pendant ce passage, là, t'es perdu, hein. Et pour terminer, je vais devoir payer pour réaliser ce test. Vrai ou faux? Il y a les questions en description et les réponses qui vont avec, si jamais. Bien évidemment que c'est faux pour tout. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous invite vivement à partager cette vidéo. Je vous demande pas hyper souvent de partager des vidéos, mais je pense qu'il faut sensibiliser un maximum de gens. Ou au pire, vous pouvez leur raconter, leur parler, leur dire, etc. Vous pouvez le faire en mode moi je sais tout, sinon vous pouvez envoyer ma vidéo, mais je pense que voilà, il est très important de sensibiliser, que ça soit évidemment les hommes et les femmes, et j'espère surtout qu'elle vous aura aidé à vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouverai bientôt, je ne sais pas quand, pour une nouvelle vidéo.